Bonjour à tous et bienvenue sur Tekken 8. Très content de vous retrouver, mesdames et messieurs. Nous sommes sur un jeu de baston, bien sûr, comme on l'aime. On va faire ensemble le mode histoire, le réveil des ténèbres. Pour info, on est sur PS5 et il y a de la résonance. Ouais, bah c'est qu'en fait, ça y est, je suis dans ma nouvelle maison, dans mon nouveau studio. Et donc, il n'y a pas encore de plaque acoustique. Rassurez-vous, je vais m'y atteler très très vite. Il y a également un autre mode histoire. Pour info, c'est épisode de personnages. Apparemment, il y aura 5 combats par perso avec leurs nouvelles histoires. Eh bien écoutez, on va faire je pense le mode principal, on verra si celui-ci est intéressant après, je vais me renseigner. En tout cas, c'est parti, je vous invite. Si cette nouvelle série vous plaît, mesdames, messieurs, à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, on va en faire un par jour. Logiquement, c'est pas trop long, hein. Je me souviens que Tekken 7, le mode histoire qui est dispo d'ailleurs sur la chaîne, avait pas duré très très longtemps. Je vous invite également à aller faire un tour chez mon partenaire Instant Gaming, il y a plein de jeux sur le site, moins cher évidemment. Et vous avez le concours, comme chaque mois, qui est disponible. Allez jeter un petit coup d'œil, tentez votre chance, ça mange pas de pain. On est parti ? Let's go ! ラス司令、まもなくオペレーションライトニングを開始します。三島兵八が消えてから半年、ようやく掴んだチャンスだ。ああ。今日こそ世界の敵を撃つ。全てはあいつにかかっている。 世界に戦争の種をばらまいた大罪人が今更何の用だ。三島和也、お前の存在が世界に争いを抜かせ、その戦争を始めたのは貴様だろう。全てはデビルの血を根絶するためだ。貴様は自分自身すら否定するか。愚かだ、風間陣、黙れ。 Et c'est parti, que le combat commence. Super, ça commence bien. Allez. Ah, pour info, on a ce qu'on appelle le Special Steel, qu'on peut activer ou pas, donc ça aide beaucoup de joueurs. On va tester. Et ça affiche donc les touches, vous le voyez, à gauche de l'écran. Et tout de suite, ça change totalement la donne. Je sens que ça va être hyper impressionnant ce mode histoire. Comment ça enchaîne les combos? Ah, pour info, moi c'est vrai que Tekken, alors j'adore, j'y joue depuis la PS1, mais étrangement, yes, un petit trophée. Tu te crois capable de m'arrêter? Mais étrangement, le jeu Tekken auquel j'ai le plus joué, c'est le 4 sur PS2. C'est pas forcément le plus apprécié, il me semble. J'aimerais bien ne pas mourir dès le premier combat, ce serait cool. Alors, esquiver punition. J'aime punir. C'est énorme. Alors on a le Hit Burst. On va tester. Oh là 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 là, mais c'est tellement ouf. On est sur Tekken ou DBZ là les gars? J'ai un doute.
Alors, je teste un peu toutes les commandes. On peut bien sûr se protéger en... voilà, mettant la direction vers l'arrière, classique. Les effets visuels sont magnifiques. デビルの力を持つ者として。貴様、俺が殺す。茶番はいい。さっさとデビル化するがいい。お前を殺し、全てを終わらせる。 Je vais te détruire. Ça me fume les transitions entre les cinématiques et le combat. C'est tellement ouf. Allez, mode cyclope, rayon. Oh là là. Mais c'est trop, ça va trop vite. Alors apparemment j'ai des jauges. Les amis, comme je vous le disais, je suis pas du tout un spécialiste. Donc si vous avez des petites astuces, n'hésitez surtout pas. Ok, bon, ton rayon, tu l'as lancé un petit peu, hein. N'importe comment. Ouais, ça aide vraiment beaucoup. J'ai le Rage Art, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'est R2 pour activer la jauge, il me semble. La vache. Tu es mon prisonnier. Incroyable. La démesure. J'étais flash des reliques de la mort là. Oh là là, la démesure absolue dans cette introduction. Je comprends pas tout ce que je fais, mais je le fais. Ok. Alors pour démarrer un combo aérien, faut appuyer sur triangle. C'est incroyable. Admire le résultat de mon entraînement, alors qu'il n'y en a eu aucun. Je commence le mode histoire à l'arrache. C'est ça qui est bon. Comment ça, aucun espoir? Ah bah attendez, sa jauge de vie, elle descend super lentement. C'est ouf. Coup spécial. Allez. Je démarre un petit combo aérien. On a un déluge de trophées, mesdames, messieurs. Waouh, il est fort, il est fort. C'est autre chose, là. Faut que je me protège un peu mieux. Il est vrai. Ah, j'ai eu beau me protéger là. Aïe aïe aïe. Il reste peu de vie, mais moi aussi. Magnifique. C'est bien.
俺の血を引いていながらこの程度か。俺を殺さなければより多くの人間が死ぬことになるぞ。 Admiral, a few city blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile. Ignorez ça. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment. Incroyable, il y a un peu de VF, hein. 全世界の人類に告げる。貴様ら人類は武器や兵器に頼りすぎ軟弱な生物と化した。この世界を牛耳っているのは自ら戦うことを忘れた弱者どもだ。臆病者が作った社会や領域になぜおとなしく従う。 バカバカしい。目を覚ますがいい。くだらぬ世界のルールを俺が書き換えてやる。 あの部隊との通信途絶。軍事衛星が次々と撃墜されています。 俺が支配する世界で 生きる資格があるのは力を示せるものだけだ。ここに俺はザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメントの開催を宣言する。強き者はトーナメントに集え。己の拳で栄光を勝ち取るがいい。 ただし、力を示せぬ弱者は国ごと消えてもらうことになる。さあ、全人類よ、世界を闘争で満たせ。 ミージン、風間の拳は
Soyez le bienvenu sur Tekken 8, le mode histoire. Venez, humains, que le combat commence. Chapitre 2, ça enchaîne. Pouvoir imprévisible. It's been 1 week since Kazuya Mishima, head of G Corporation, shot down the key military satellites. While the militaries of the world are unable to function, the qualifiers for G Corporation's tournament have begun. The whole world is watching this tournament that gives power to the victorious country and levies penalties on the loser. ベッドの上は1週間で飽きたか。いつまでも寝ていられるか。どれぐらい動けるようになったか試してやる。 Je suis déter. Tiens, c'est marrant, c'est comme le sport de combat officiel entre guillemets. Point contre point. Le respect d'adversaire. Oh là là, mais c'est tellement cool. Alors j'essaie de bloquer, de me protéger, mais pas évident. Là, ça a marché. J'ai marché dessus. Je suis en mode rage. C'est magnifique. Et on est encore avec Jin, tiens, dans le chapitre 2. Moi, je pensais qu'il y aurait un chapitre par perso. Moi, je suis peut-être pas encore bien réglé. Ah, d'accord. Il s'est mis en bas, du coup je n'ai pas pu le toucher. Changement de position, comme ça tu vois, au bas. Ah, j'ai bloqué le premier coup, pas le deuxième. Oh, attention, il est en train de se vénère. Ah, effectivement, quelque chose ne va pas. Mais dis-moi, est-ce que là, ce n'est pas un petit peu... Est-ce que ce n'est pas un petit peu normal? Ça se trouve, je dois perdre ce round. Ou pas. Comment c'est méga cool. Allez, on va essayer de le rusher. Magnifique le combo. J'ai comme l'impression que je peux pas l'avoir. Ah, peut-être que si. Saitomo, warui shirase da. Li, nani ga atta? Jin no kinryoku, hannou. Subete no atai ga teika shite iru. 3 jours plus tard. Et en fait non, parce que si on veut un chapitre par perso, c'est l'autre mode histoire. Qui propose, il me semble, 5 combats par personnage. Arisa. あまり抱え込まないでくださいね。 希望か。希望をつかむには俺の手は汚れすぎた。
デビルの力について調査依頼している有識者とは近々合流予定だ。それとトーナメントを妨害する件だが、アリサを送り込むしかないか。待ってくれ、俺をトーナメントに出場させてくれ。俺のデビルの力は戦いの中窮地に陥った際に発言した。力が蘇るとしたらそれもまた戦いの中でだろう。カズヤ主催のトーナメントだ。ジーシャが仕掛けてくるかもしれん。それでも行くのか。デビルの力は必ず取り戻す。そして次こそは差し違えてでも奴を殺す。いいだろう。だが予選大会は3日後だ。それまでにもう少しまともに戦えるよう準備しておけ。ああ、恩に着る。Now that you beat me. Yeah, I won't let him go unchecked. I'll give Kazuya a nice smack in the face. Here are the fighters that will move to the main tournament after winning the qualifiers for each region. First up is the European B Block. All eyes are on this next fighter, Lily from Monaco. The final tournament will certainly be one to watch. Next, the South American block winner is an MMA star who has jumped into the spotlight, Azucena M. Ortiz from Peru. Last is the North America B block winner. The hero who saved New York rises to the challenge again, Leroy Smith of America. It's an impressive lineup of fighters. We'll be looking forward to seeing them in action. These exciting block qualifiers will definitely keep us all watching. 人類よ、戦いに興奮しろ。世界を混沌で満たすがいい。準決勝進出、おめでとうございます。はじめまして、ジン先輩。私、レイナって言います。私も三島高専に通ってて、ジン先輩の噂、いろいろ聞きました。あれ、完全スルーですか？私が次の試合で勝てば、ジン先輩の次の相手は私です。必ず勝ちますから、その時はお手合わせお願いします。今のところ、G 社の介入は見受けられません。で、彼の調子はどうだい？なんとか勝ち上がってはいますが。デビルの力が戻る様子はないか。ベスト4最後の一枠を掴んだのは、無名の新人、レイナ選手だ。続きまして、準決勝第一試合を行います。レイナ選手は三島高専に退学中、入学以前にも不審なデータはありません。では、G 社の資格という線はなさそうですね。なんと、瞬殺、韓国のファラン選手、圧倒的強さで決勝へ駒を進めました。手のない相手ですね。準決勝を勝ち抜いたとして、
今のジンが勝てるかどうか。ただいまより準決勝第2試合を行います。ようやく戦えますね、ジン先輩。私、試合の時は荒っぽくなるので気をつけてくださいね。Les apparences sont trompeuses. Ah, ça pète un peu quand même, hein. Allez, on va lui montrer un peu qui c'est le Kekos. Oh là là, mais c'est énorme. Ça déménage. Ah bah tu m'étonnes. Elle va retourner. Elle est pas mal quand même, hein. Ah ouais, le coup de pied par en dessous là, joli. J'ai bloqué un petit peu, mais elle arrive à me transpercer. Elle est forte de fou. Ah bah je suis mort les gars. Ah, je passe en mode rage. Ça peut peut-être m'aider. C'est réussi. Ce premier round n'est pas terminé, ma jolie. On est à peu près kiff-kiff en jauge de vie. C'est Pikachu en fait. Ouais, ouais. Tiens, prends ça tout de suite. Elle me l'a bien rendu, hein. Elle avait préparé quelque chose, mais ça n'a pas terminé. Aïe. J'aurais pas dû y aller, là. Je devrais peut-être moins spammer les touches. Plus défendre. Oh, je passe au-dessus. La rage maintenant tout de suite. Et logiquement, tu es fini. Et voilà. フォーダン、芋に対し国旗じゃねえサウジャグ、カジャマチン、本気でこう。それでは始めましょう。決勝で。C'est comme le catch. Il rentre n'importe quand. Ah oui, c'est vrai qu'elle est prise. Il y a plein de choses que je connais pas, hein, les amis, je découvre vraiment. Hein. J'ai pas joué avant. Oh là là, mais c'est trop bien. Bon, pas de rage, hein, ça suffit. Pas la peine de la déclencher. Ouah. Get
je n'ai aucune limite. Je savais qu'il préparait quelque chose. Ah oui, on peut faire des petits coups spéciaux comme ça. Alors bien sûr, avec ce mode-là, c'est vraiment... ça aide de fou, hein. Ça simplifie beaucoup les combats. Je pense que ceux qui sont vraiment connaisseurs de ce style de jeu vont trouver ça vraiment... même farfelu de l'activer. Attention. Non, Majoué. C'est mieux. Faut vraiment le toucher quand il est au sol. Je suis mort. Ah là, je me suis fait avoir. Mais c'est tellement stylé! La garde. Oh, trop bien, c'est pas fini. On a encore une chance. C'est-à-dire... t'étais pas à fond? D'accord, les jauges sont remis à zéro. C'est énorme! Bon là par contre, si j'ai la rage, hein, je l'active, hein, je te le dis. C'est bien protégé, cet enfoiré. Alors tu vois, le truc des joueurs débutants dans les jeux de combat, c'est qu'ils font toujours les mêmes coups. Et oui, je m'inclus dedans. La rage maintenant. Mais c'est vrai que c'est tellement bien mis en scène, les effets visuels sont monstrueux. C'est très très cool. Kazama-jin, 넌 기묘한 힘을 가진 것 같은데. 그것도 포함해서 너야. 아, 재미없어. 저런 얼간이한테 지다니. かっこよかったですよ、 ジン先輩。 お前は、 レイナか? 実は私、 ジン先輩にお願いがあるんです。 The woman you were looking for was with a serious marksman. やつらがイタリア国内から出ないよう監視を続けろ。 L'antico demone Azazel è stato sconfitto da Jin Kazama. Adesso è sigillato nella tua mano sinistra. However, we are still in danger of annihilation. Jin Kazama has lost his light, and Kazuya Mishima's ominous glow grows ever stronger.
Vuoi dire che sarà Kazuya Mishima, colui che distruggerà il mondo? To prevent this fate, we must seek Jin Kazama. Ano! 私も連れて行ってください! かっこよかったですよ! ジン先輩! お前は… レイナか? 実は私… ジン先輩にお願いがあるんです。 私にも… 三島和也を倒すお手伝いをさせてほしいんです! それは… お前が使った技と関係があるのか? 三島流の技ですか? あれは… 動画サイトの見よう見真似ですよ。 Gute Güte! Was für eine Ehre, von Präsident Lee höchstpersönlich begrüßt zu werden. Endo Harubaru Yokoso, Niklas Krisen Kyoju. Kimi wa tashika, izen no taikai de. Oh. Das ist Leo, mein Aushilfsassistent. Hoch erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Vater und ich fühlen sich geehrt. Jin Kazama, der Mann, der Unfrieden über die Welt brachte. Ha! Willst du im Sparring gegen mich antreten? Avec moi, ce n'est jamais amical. Allez, mon petit blond. Ah, il se défend. Alors on va tester un truc par contre les amis. J'essaierai peut-être de passer... Ouais quoi que je verrai pour l'épisode 2. Je pense qu'on va le faire en 2-3 épisodes max. Hein, ce mode histoire apparemment il est pas bien long. Il durerait environ 3 heures. C'est déjà plus long que Tekken 7 hein, les gars. Surtout qu'il y a un autre mode histoire après. Où tu joues avec les autres persos. Là j'ai l'impression qu'on va jouer qu'avec Jin. Ah il est tendu là le petit blond. Dis donc. D'accord, maintenant la rage. On va le calmer le petit. Hein. On va le calmer très très vite. Celle-là on la connaît. Et après, zbam! Et je reprends l'avantage. Il m'a eu. C'est un petit blond qui m'a humilié. Je suis pas d'accord. On recommence. J'ai la honte. Ah, il est fort lui, oh! Incroyable! Même avec ce mode qui aide beaucoup dans les combats là. C'est comment que ça s'appelle? C'est le Special Steel, voilà. Moi bon, je vais le laisser activer parce que là déjà je m'en sors pas. Ah, d'accord, mais il y a une couleur effectivement quand il charge son truc, vaut mieux. Hein. Vaut mieux pas être devant lui quoi. Ouais, faut vraiment l'enchaîner de fou. Là, tu te protèges. C'est ça l'histoire. C'est bon. Ich würde gern von unseren Forschungserkenntnissen über Devil Bericht erstatten. Es gab zahlreiche neue Entdeckungen. つまり、教授の推論をまとめると、デビルとはアザゼルの力を分け与えられた特別な人間であると。Genau. Azazel, der einst unseren Ahnen erschien, schuf sich die Teufel als seine Sippe. Die Teufel berufen sich auf ein bestimmtes Gefühl, um übermenschliche Kräfte zu erlangen. Und dieses Gefühl ist Verlangen. Ich habe in deinen Fäusten nicht das Verlangen gespürt, zu siegen, zu nehmen oder zu zerstören.
Aber ich habe es gespürt. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ein warmes Gefühl, wie ein gerade angezündetes Kaminfeuer. Es gibt keinen Grund, so zu werden wie Kazuya Mishima. Halte deine tiefsten Wünsche in Ehre. Kazama-jin, omae ga dou yatte chikara o torimodosu no ka, jikkuri kansatsu sasete morau. As declared, Kazuya Mishima is sanctioning nations that were defeated during the preliminaries. If the tournament completes at this rate, the nation's hierarchy will become solidified. Qu'une hiérarchie s'établisse et que les humains commencent à se battre. C'était justement pour empêcher tout cela de se produire qu'Heihachi Mishima avait affronté le démon. Heihachi Mishima is dead. However, a man carrying on his bloodline and ambitions is trying to face off against the devil as a human. Lars Alexanderson, le lion de la rébellion. Très bien. Contactez Yggdrasil. Il faut une opération conjointe. Aye, aye, sir. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre des puissances de ce monde. Quelques récompenses obtenues après les 4 premiers chapitres du jeu, du mode histoire. Honnêtement, c'est très cool. C'est très très cool, chapitre 5, ce sera un destin décidé par les points, et apparemment on est dans un colisée. Alors moi, ce qui me fait un peu bizarre, c'est qu'effectivement, parfois ça parle japonais, parfois ça parle anglais, et parfois même français. Alors c'est bien, parce que t'as un petit peu de tout, mais je vais voir, parce que peut-être, si admettons, deux ou trois personnes qui parlent trois langues différentes sont juste à côté et causent entre eux, ça fait un peu bizarre, mais enfin. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Tekken 8, de ce mode histoire, honnêtement, je me régale. Côté gameplay, c'est un bonheur. Alors bien sûr, c'est vrai que c'est un peu plus simple, je pense, avec le mode spécial style ou un truc comme ça que j'ai activé. Mais honnêtement, c'est très sympa et ça me permet quand même de pas trop non plus avoir à apprendre la liste des coups, etc. Donc pour le mode histoire, je trouve que c'est plutôt sympa. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça vous plaît. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et moi, je vous dis à très très vite pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao !